Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir, comme de semaine en semaine, pour une nouvelle émission qui va vous donner la possibilité de découvrir les activités associatives et culturelles qui vont se tenir sur la commune de Vernier, avec ce petit plus que l'on ne trouve que sur Canal 29. C'est le plaisir de partager les informations et de le faire en plusieurs langues. Pour l'émission de ce soir, vous aurez le français, mais nous aurons également l'arabe avec la présence de Suzanne. Suzanne, bonsoir. Bonsoir Bernard, مساء الخير لجميع مشاهدي قناة 29 فيرني. Par contre, en ce qui concerne le lingala, eh bien, ce ne sera que partie remise. Nous retrouverons Germaine à nos côtés la semaine prochaine pour nous accompagner dans la présentation de ces différentes activités que nous allons tout de suite commencer à découvrir ensemble. La première information concerne une association qui devrait commencer à vous être familière, puisque nous avons eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur notre plateau. Il s'agit de l'association Emma Art et Terroir, qui va connaître, je dirais, un moment important, puisque à la fin de cette semaine, ce sera l'inauguration officielle de l'arcade 77, qui est en fait le local où ils peuvent réaliser leurs expositions. Et cette inauguration aura lieu le samedi 9 mars. L'ouverture des festivités, c'est à partir de 14h. Il y aura une partie officielle. Celle-ci devrait commencer aux alentours de 15h. Et pour cette partie officielle, nous aurons la présence des conseillers administratifs, monsieur Yvan Rochat, ainsi que monsieur Martin Staub. Pour le reste de l'après-midi, eh bien, il y aura de la musique, de la peinture, des graphistes, stand terroir, l'occasion donc de déguster des spécialités. Et il y aura également des food trucks. Et cette journée inaugurative se tiendra jusqu'à 21h. On espère que vous serez nombreux à vous déplacer. On vous rappelle l'adresse de l'arcade et vous allez tout de suite comprendre. L'arcade 77 se trouve au numéro 77 de l'avenue de Châtelet. إن جمعية إيما آر إتروار تدشن محل 77 السبت في 9 من آذار 2019. يفتتح الاحتفال عند الساعة 2 من بعد الظهر. القسم الرسمي يبدأ عند الساعة 3 بحضور المستشارين الإداريين إيفان روشا ومارتن شتوب. هناك موسيقى، رسومات وستاندات محلية ومأكولات تبقى حتى الساعة 9 مساءً. تعالوا جميعا إلى 77 أفنيو دو شاتلين. Dans le cadre des expositions qui se tiennent à la maison Chauvet-Lulin, le prochain rendez-vous, ce sera pour une exposition de peinture. L'artiste Pina Duca va proposer ses œuvres à partir du 8 mars jusqu'au 10 mars. En ce qui concerne les horaires, le vendredi, c'est le jour du vernissage. C'est ouvert à partir de 18h. Et en ce qui concerne le samedi, les horaires d'ouverture, ce sera de 11h à 20h. Et pour le dimanche, là, ce sera de 11h à 17h. Voilà donc pour les amateurs de peinture, le prochain rendez-vous à la maison Chauvet-Lulin. معرض رسم في منزل شوفي لولا. رسومات لبنينا دوكا من 8 حتى 10 آذار. المواعيد الجمعة ابتداء من الساعة 6 مساء. السبت من الساعة 11 حتى الساعة 8. الأحد من الساعة 11 حتى الساعة 5 من بعد الظهر. Nous restons dans le domaine de l'art, mais cette fois-ci nous allons au Lignon. Connaissez-vous le coin des artistes du Lignon? Ceci, s'il n'est pas le cas, eh bien, sachez qu'ils vont proposer une exposition qui s'intitule Arbre en ciel Genevois. Cette exposition va démarrer le 6 mars et sera visible jusqu'à la date du 5 avril. L'ouverture des locaux pour l'exposition, c'est de 17h à 19h ou sur rendez-vous. Le lieu où se trouve l'exposition, c'est le local du contrat de quartier qui se trouve vers le centre commercial, côté brasserie du Lignon. Voilà pour le lieu où vous pourrez bénéficier de cette exposition dont on rappelle le titre Arbre en ciel Genevois. إن زاوية الفنانين في لينيون تقدم معرض بعنوان Arbre en ciel Genevois.
يبدأ من السادس من آذار حتى الخامس من نيسان. يفتح المعرض من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساء، أو بموعد مسبق. المكان قاعة عقد الحي من جهة براسري دولينيو. Spectacle toujours au Lignon. Cette fois-ci, nous restons dans le domaine musical. Et pour les amateurs de fado, ce devrait être un rendez-vous qui devrait vous tenter. Le spectacle sera présenté par Fabia Reborda. La date de la prestation, ce sera le vendredi 8 mars à 20h. La durée du spectacle devrait être de l'ordre d'1h30. Et en ce qui concerne l'ouverture des caisses, elle a lieu une demi-heure avant le début du spectacle, soit à compter de 19h30. عرض مسرحي في لينيو لمحبي فادو، تعالوا لاكتشاف فابيا ريبوردا الجمعة في الثامن من آذار عند الساعة الثامنة مساء. مدة العرض ساعة ونصف، افتتاح الصندوق عند الساعة السابعة ونصف. Amateurs de théâtre, à partir du 8 mars, vous pourrez découvrir le nouveau spectacle présenté par le Théâtre de Vernier, qui pour cette année est une pièce de Dostoïevski qui s'intitule « Crime et châtiment ». Le lieu où les représentations se tiennent, c'est l'école des Ranches. En ce qui concerne le prix, il est d'un montant de 25 francs. Si vous voulez des renseignements, des informations sur la troupe, la pièce, n'hésitez pas à utiliser le site internet de l'association qui s'écrit www.theatrevernieren1mot.ch. Et sur site, il y a une buvette qui est accessible et qui est ouverte une heure avant le spectacle. مسرح فيرنيه يقدم من الثامن حتى التاسع والعشرين من آذار في صالة مدرسة ديرانش. تعالوا لاكتشاف أو لإعادة اكتشاف مسرحية دوستوفسكي بعنوان كريم إي شاتيمون. سعر البطاقة 25 فرنك. لمزيد من المعلومات الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.theatrevernier.ch. مشروب مفتوح ساعة قبل بدء العرض. Et puis on rappelle la tenue de cette conférence publique qui est organisée par le service de la cohésion sociale de notre commune, dont nous avons eu l'occasion déjà de mentionner dans notre agenda d'il y a 2 semaines. La thématique de cette conférence, c'est comment aider sans s'épuiser. Vous savez que l'on parle souvent des groupes de rencontres pour les proches aidants. Et bien si c'est un sujet qui vous concerne ou qui vous intéresse, n'hésitez pas à participer à cette conférence. Elle sera animée par Monsieur Ricardo Rodari. Le lieu où la conférence a lieu, c'est le centre de quartier du Lignon. La date, c'est le jeudi 7 mars. La conférence commence à 14h30 et elle sera suivie d'un goûter ainsi que d'un échange animé par l'intervenant. On rappelle donc la thématique « Comment aider sans s'épuiser ?» من قبل خدمة كوهيزيون سوسيال لمدينة فيرني بعنوان كيف تساعد دون أن ترهق، بإدارة السيد ريكاردو رودالي في مركز حي لينيو الخميس في 7 من آذار عند الساعة 2:30 من بعد الظهر. بعد المحاضرة هناك عصر نية وتبادل مع المحاضر. L'agenda pour aujourd'hui arrive à son terme. Toutefois, une information de dernière minute que nous avons reçue dans le courant de la soirée d'hier et qui concerne la maison de quartier d'Aïr le Lignon, pardon, qui organise une sortie pour le samedi 16 mars où le déplacement c'est pour vous emmener à Annecy pour découvrir le carnaval vénitien. Alors vous allez me dire, on a encore du temps d'ici au 16 mars, seulement il est imposé de devoir s'inscrire et le nombre de places étant limité, au plus tôt nous confions cette information, au plus tôt vous pourrez réagir. Alors si cette sortie vous intéresse, donc la thématique découvrir le carnaval vénitien à Annecy, la date samedi 16 mars et pour les inscriptions, eh bien vous pouvez aller au secrétariat de la maison de quartier pour retirer le formulaire ou utiliser celui-ci car il est également sur internet et on rappelle l'adresse de la maison de quartier, c'est www.mqal.ch et là il y a un onglet sortie
où vous pourrez trouver le document qui concerne cette inscription. Voilà, on a fait le tour des informations qui nous ont été communiquées. On rappelle toujours, si vous êtes à l'origine de l'organisation d'une manifestation, d'une prestation ou de quelque chose sur Vernier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Utilisez notre adresse de courrier électronique canal29@bluewin.ch et ainsi nous pourrons incorporer vos activités dans le rendez-vous hebdomadaire que nous proposons chaque mercredi. N'oubliez pas non plus que l'émission est en direct le mercredi aux Avanchets, mais si vous êtes sur un autre point que la cité, dans le canton de Genève ou sur la commune de Vernier, vous devez patienter le lendemain, le jeudi, aux alentours de 18h, le temps que nos images soient mises en ligne. Et puis sans cela, si vous ne pensez pas obligatoirement à un rendez-vous ou à un moment particulier, sachez que toutes nos images sont mises en ligne sur YouTube ou sur Facebook, ce qui vous donne ainsi la liberté de regardez Canal 29 quand bon vous semble. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de votre présence. Vous espère au rendez-vous mercredi prochain à 20h pour partir à la découverte des activités culturelles et associatives de la ville de Vernier.